Et salut à tous les amis, donc on se retrouve pour l'épisode 27 de notre carrière suivie sur Belgique profonde. Donc j'ai vendu pas mal de lait, j'ai avancé un peu le temps et j'ai finalement acheté notre Fend 512 Vario les amis. Alors je voulais pas trop l'acheter à la base en fait, mais je me suis dit allez hop, on va faire un peu de changement. On va acheter un petit Fend, comme ça mes abonnés seront aussi contents. Et puis comme ça, il y a un peu de tout on va dire. Donc c'est parti, on démarre. Et j'ai aussi acheté le bordel que vous voyez là. C'est parce que en fait les amis, aujourd'hui on va se retrouver pour de l'épandage de... mince, en plus il était dans le bon sens. On va se retrouver pour l'épandage de lisier en fait. Sur les cultures, hein, donc j'ai pas besoin du vibro, hein, j'ai juste besoin d'épandre dessus pour avoir plus d'engrais. Donc il y a encore plein de choses qu'on veut acheter les amis, hein, mais ça va venir tout doucement. Là, je suis en train de semer du maïs, on est en train de... Ah, j'ai juste oublié un petit détail. On est en train de semer du maïs, on est en train de semer du maïs, du blé, il y aura du colza qui va être semé. C'est vraiment pour avoir de l'argent, pour pouvoir acheter plein de choses, parce que par la suite j'aimerais acheter un camion avec la citerne de ravitaillement pour le lisier, pour éviter de faire des allers-retours à chaque fois, hein. J'aimerais acheter ça, hein. Ensuite il faudrait acheter encore, maintenant on a 3 tracteurs donc ça va. Donc c'est vrai que mine de rien, par rapport à l'argent que je me suis fait, il me fallait 137 000 euros pour le tracteur. Et problème, j'étais bloqué parce que j'ai un John Deere qui sème le blé, l'autre qui sème le maïs. Et je voulais absolument épandre l'engrais de cette manière-là et faire ça en vidéo. Et j'avais pas de tracteur. Et je me disais, merde, c'est la merde. Mais ce que j'ai fait avant de semer, j'ai arrêté les tracteurs de semer. J'ai avancé le temps pour mes vaches. Et puis j'ai vendu... 4-5 citernes de lait, et puis j'y suis arrivé sans problème. Donc c'était carrément cool en fait les amis. Donc maintenant on va accrocher le tonneau et on va décrocher le bordel derrière. Alors on va se mettre là, parce que là il faut qu'on descende du tracteur les amis. Alors pour l'accrocher, faut descendre du tracteur. On va juste se mettre sur F1. Alors V. Hop là, je crois que j'étais juste un petit peu trop en arrière, c'est pas grave. Ah, ok, donc il est accroché. Donc, pour ceux qui voulaient savoir, j'ai une masse qui fait partie du pack. Hein. Une masse Fend de 870 kg, hein, j'ai pas mis plus. Je me suis dit, ça suffit amplement. Donc, alors attendez voir. J'ai... Voilà, on va enlever ce bordel. Donc ce qu'on va faire, on va mettre le gyrophare et on va aller chercher donc notre outil au magasin. Et comme j'ai encore 76% du tonneau, je pense qu'on va tout de suite épandre sur une petite parcelle là, que je pense que j'arriverai largement à faire avec ça. Comme ça on va pas remplir à vide, hein, on remplit pas pour rien on va dire. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi les... ces deux petits machins qui tournent et pas la rampe, c'est pas compliqué parce que la rampe elle épand sur 15 mètres les amis. Et le double machin là que j'achète moi épand sur 21 mètres, donc ça fait qu'on gagne plus de surface d'épandage. Et je me suis dit que c'était quand même plus agréable. Donc le jour où on dépasse une voiture en tracteur, c'est qu'elle roule vraiment vraiment pas vite, hein. Donc voilà. Donc ça c'est le Fend 512 Vario SCR, hein, donc c'est le 120 chevaux. Hein. Il a un bruit relativement réaliste moteur, parce que c'est vrai que là on entend bien le 4 cylindres. Mais quand on achète le 516, on a plus l'impression d'entendre un 6 cylindres quand on roule. Alors que le 516 Vario en réalité c'est également un 4 cylindres. Donc c'est un petit peu dommage, mais j'avais envie d'acheter celui-là là. Oh là là, est-ce que je vais arriver à l'accrocher? Ça m'étonnerait. Parce que c'est vrai que la tonne, en fait, je n'ai pas réussi. Je sais même pas si on peut bloquer les roues directionnelles derrière. Mais là, ça devrait le faire. Voilà. On l'accroche. Voilà, les amis. C'est accroché. Faisons un petit test. Ok. Alors, on est parti.
On va aller épandre sur quelle parcelle, je sais pas trop encore. On va voir ça ensemble. Là, vous entendez bien le 4 cylindres. Donc, j'avais pas envie d'acheter de 724 ou autre tout de suite parce que j'ai déjà des tracteurs assez puissants. Je me suis dit, maintenant, il me faut quand même un tracteur de puissance un peu inférieure pour faire plus réel. Parce qu'avoir que des énormes, énormes tracteurs, c'est bien beau, mais des fois, on n'en a pas forcément l'utilité, j'ai envie de dire, les amis. Donc, je pense qu'on va aller. Attendez, voir, là, on voit plus grand-chose. Donc, pour commencer, on va aller épandre sur cette parcelle-là. Je sais pas si j'arriverai à la faire en entier, hein. Mais de toute façon, je vais épandre là où j'ai du blé. Je veux de toute façon épandre partout. Alors, régulateur de vitesse niveau 1. On va voir à combien il roule. Enfin, non, on va déjà mettre les 4 roues motrices. Ensuite, le régulateur de vitesse niveau 1. Et on va activer le tonneau. Voilà. Donc on entend vraiment le tracteur qui accélère quand on met un outil en route et ça c'est vraiment appréciable parce que ça prouve bien que c'est réel. Donc je peux rouler en régulateur de vitesse 2 je pense. Non, ça va trop vite. Donc on va rouler à 14 à l'heure, ça suffit amplement, hein. Parce que de toute façon en vrai, quand on épand, on roule. Je pense pas qu'on roule à 14 à l'heure. Moi quand j'épandais dans mon ancienne boîte, je roulais à 7-8 au grand max. Voilà, on est prêt. Ah là, je suis peut-être à peu près. Je vais pouvoir un petit peu, voilà, m'écarter. Donc, enfin, je peux encore m'écarter d'ailleurs. Voilà. Donc, vous voyez, ça épand vachement large quand même. Donc, c'est quand même bien. Quand même bien. Donc vous pouvez le voir, ça épand bien, on voit bien le lisier sur le champ, donc c'est pas mal. Donc là on est déjà à 50%, donc le temps de faire le tour de la parcelle, on ne va pas arriver très très loin je pense, mais ça sera déjà ça de fait, hein. C'est déjà pas mal. Donc ça sera déjà ça de fait. C'est déjà pas mal. Comme ça sera fait. Et ensuite, on ira ravitailler. Donc, ce que moi je vais faire, ce que je fais toujours en fait d'habitude, je perds pas de temps. Là, j'active mon engin et je fais plus trop de demi-tours. Je fais plus des allers-retours après. Je fais plus des allers-retours. Comme ça évite de perdre trop de temps, hein. Et parce que de toute façon, je voulais pas acheter des pendeurs à engrais parce que hop, j'ai déjà du lisier de l'usine biogaz, de l'ensilage qu'on a déjà pu faire. Donc je me suis dit autant en profiter, hein. Voilà. Donc là, je devrais même tout prendre en une fois. Ça, c'est cool, les amis. C'est parti. Donc là, cette partie-là, je vais la prendre. Et puis bon, là on va faire l'aller encore tranquillement. Et puis il y aura un petit retour à prendre. Donc vous voyez, ça va quand même plus vite dépendre comme ça que dépendre en préparant tout de suite, hein, c'est vrai. Mais après, c'est quitte ou double, j'ai envie de dire. Parce que d'une manière ou d'une autre, on fait du 2 en 1. Donc c'est selon les préférences, j'ai envie de dire, hein. Des fois je préfère faire comme ça, ou alors des fois je préfère faire du 2 en 1, ça dépend en fait, hein. Donc voilà, on est à 15% les amis. Donc ce qu'on va faire, on va aller remplir, parce que de toute façon là je vais plus arriver très très loin. Je vais plus arriver très très loin, et puis
me dis pour gagner ce que je gagne là, c'est pas trop trop la peine. Donc voilà, on est parti. On va aller remplir à l'usine de biogaz. Vous voyez pourquoi je veux acheter un camion par la suite et la remorque bleue de ravitaillement, c'est parce qu'on met 30 000 litres dedans. Et ça nous permettrait, une fois c'est le camion au champ, de remplir une fois et demie, il me semble. Voilà, remplir une fois et demie avec ce qu'on a. Donc lui, alors là, il me fait comme toujours, il a toujours fait, cet idiot. Enfin, cet idiot. Il fait du 2 en 1, lui. Il sème une parcelle, puis il en sème une autre. Donc bon, c'est pas grave, hein, au moins, il perd pas trop trop de temps, j'ai envie de dire. Donc là, je suis à fond, il est 4h30, le machin. Bon, c'est pas grave, ça doit monter un petit peu. Donc voilà. Et j'ai pas désactivé le 4 roues aussi, c'est peut-être pour ça. 4 roues, voilà. Ça, c'était pas fait exprès, les amis. Ça non plus. Voilà. C'est quand on va aller trop vite. Donc vous voyez, la jauge de gasoil, elle a déjà bougé. Donc, on va aller remplir. Alors, braque. Voilà. Donc il faut toujours descendre ce petit bordel là. Et ensuite, on remplit. Donc le temps qu'il remplit, je vais en profiter pour voir un petit peu. Donc déjà celui-là, là, visiblement, il a décidé qu'il travaillerait plus. Si vous voyez, c'est vraiment ça le gros problème de ces cartes, enfin de ces parcelles-là qui sont taillées un peu n'importe comment. Maintenant, ils nous ont trouvé une solution pour la récolte, hein. Pour la récolte, ils nous ont trouvé une solution, hein, je veux dire, la machine fait de l'autocontour, pardon. Mais c'est vrai que maintenant, pour les semis, on n'a pas trop trop de solutions encore. Parce que c'est vrai, vous voyez bien, dès que c'est pas tout à fait droit, une parcelle, je veux dire, les travailleurs, ils s'arrêtent. Et je pense que vous aussi, vous vivez ça, si vous jouez sur Belgique profonde, ou peu importe la carte où vous jouez, je veux dire. C'est quand même vraiment un petit peu un inconvénient. Ça serait bien qu'il nous fasse aussi un style de mode comme ça, qui fasse de l'autocontour pour le semoir aussi. Ça pourrait vraiment être sympa, j'ai envie de dire. Parce que c'est vrai que c'est quand même une perte de temps, hein, ça faut l'avouer. Que vous engagez un travailleur et puis finalement vous êtes obligé de le faire vous-même, bah, parce que le travailleur il s'arrête, quoi. Donc c'est un petit peu con. Donc là vous voyez, je le fais vite moi-même, mais je vais perdre quand même 2 minutes. Donc bon, 2 minutes c'est pas beau, c'est pas énorme sur une partie, mais 2 minutes sur une vidéo de 30, mine de rien, ça fait quand même un peu de temps. Et bon, après, ce qu'il y a de chiant, c'est que quand une partie est semée et l'autre pas, il faudrait tout de suite le semer nous-mêmes après. Parce que quand vous avancez le temps après, bah ça je pense que vous avez déjà aussi vu. Quand vous avancez votre temps après, et ben une partie du champ pousse, c'est pas l'autre. Merci. Donc c'est vrai que c'est casse-couille, j'ai envie de dire. Donc c'est pour ça que je me prends quelques minutes là, 2-3 minutes, même pas pour le faire moi-même. Et puis après le semoir, comme on dit, il ira se faire foutre, je semerai hors vidéo, hein. Parce qu'on est parti sur de l'épandage de lisier, on n'est pas parti sur du semis là. Donc c'est vrai qu'on s'éloigne un petit peu du sujet. Mais bon, quand il faut le faire, il faut le faire. Donc oui, effectivement, je sais, je n'arrête pas le semoir à chaque fois, hein. Parce que j'ai pas envie à chaque fois de l'arrêter pour faire un demi-tour, je préfère le faire. D'ailleurs là ça n'a pas été fait, c'est quoi le bordel? Donc on va vite passer dessus, comme ça sera fait. Donc après, à quelque part, ce que j'étais en train de dire, c'est un peu qui tout double. Le fait de se dire bon, on va faire des céréales, on achète le 9 mètres. Comme ça, on n'a pas besoin de passer le vibro avant. Donc c'est vrai, c'est bien, mais après à quelque part c'est pas bien. Parce que quand vous voulez semer du maïs, vous êtes obligé de préparer, hein. Le semoir à maïs ne sème pas direct. C'est un petit peu dommage ça, parce que en vrai, moi j'ai déjà vu la méthode du strip-till pour le maïs. C'est dans un champ de maïs récolté, et ben en fait ça sème, enfin c'est des dents qui descendent, et puis en fait ça resème sans avoir besoin de labourer ou autre. Donc ça, c'est vrai qu'ils auraient peut-être pu le faire dans farming. Donc je vais juste aller un peu plus loin, les amis, juste près de... Oh bah je vais me mettre là quelque part. Parce que ces deux-là, finalement, je crois que je vais également les faire en blé. Ou du moins une. Je verrai ça. Voilà. Donc ensuite, on va retourner
Donc lui, on s'en fout. On va retourner chez notre Fend. Donc on va remonter. Ouais. Voilà. On va remonter le machin. Ok. Et puis ensuite, on va mettre gaz et on va aller finir la parcelle qu'on a commencé. Donc celle-là va être finie d'ici très peu de temps. Hein. Ensuite, on va faire celle que j'ai semée moi-même. Ou alors celle à côté, c'est à voir. Hein. De toute façon, d'une manière ou d'une autre, il faudra que je fasse tout. Hein. Du moins, je vais mettre du lisier sur toutes les cultures de céréales et de maïs. Donc ces deux parcelles-là. Sur... là où j'ai du blé, le maïs, le colza, je sais pas, ça dépend ce qui me restera en stock. Parce que j'ai quand même j'ai quand même du lisier, mais je veux pas en gaspiller, j'ai envie de dire. Parce que pour la prochaine saison, j'aimerais quand même en mettre de nouveau sur le blé et le maïs. Donc là maintenant, l'objectif de cette session, de cette récolte, c'est donc du blé, c'est de... Je vais mettre quelques tonnes à la ferme. Pour les poules, ça je suis obligé. Et ensuite, ça sera de récolter la paille. Donc c'est pour ça que je vais absolument mettre du lisier, hein, parce qu'il me faut de la paille. Hein. Ça, je pense que vous êtes au courant qu'il me faut de la paille. Maintenant, j'ai rempli mon herbe, machin. Donc c'est vrai, c'est vraiment bien, mais c'est vrai qu'il me faut maintenant de la paille. Il y a rien à chier. Allez, c'est parti. Donc là, ça va vite être terminé. Vous voyez, ce qui est vraiment bien réaliste, c'est comme en vrai, là, vous voyez, c'est pas partout homogènement mis. C'est vraiment les jets qui font ça. Donc c'est vraiment bien fait. De toute façon, Farming Simulator, à la base, est un très très bon jeu. Mais c'est vrai que la version PC, j'en reviens à cette version PC, hein. C'est vrai que quand les modeurs ils s'y mettent et ils nous font quelques beaux petits modes, après c'est tout à fait différent le plaisir de jouer à ce jeu. Hein. C'est vraiment, moi c'est vraiment ce que je vous dis. Hier soir, pour vous dire, j'avais envie, j'avais arrêté mon PC, je me suis dit tiens, je vais jouer à Farming Simulator sur PS3. J'ai joué, donc après pour moi un farming c'est un farming, hein. L'objectif est le même, hein. C'est d'agrandir, d'augmenter ses cultures, de faire un max de cultures, etc. etc. Après par contre moi j'ai eu un petit bug avec le... Pour vous dire, j'ai 20 heures de jeu sur PS3, hein, donc c'est pas énorme. Là c'est déjà sur cette partie là, j'ai déjà dans les 30 heures facilement. La carte américaine, le multi et tout ça, je dois être facilement, juste pour ma chaîne, je dois être facilement à plus de 60 heures. Après je compte pas encore les parties personnalisées que j'ai fait, parce qu'alors là je suis au moins 200-300 heures. Bref. Mais j'ai eu un petit bug avec le Lizard Truck. Si jamais il y a des joueurs sur PS3, dites-moi si ça vous est arrivé. Donc j'avais rempli la benne. Je partais pour vider, donc j'ai accéléré avec la gâchette de la Play. Et en fait, le machin, il me donnait des à-coups. Mais genre des à-coups. On voyait le camion, en fait, en roulant, il avançait, il reculait, il avançait, il reculait. On avait l'impression qu'il faisait du surplace alors que j'étais à fond. Et ça m'a duré vraiment pendant... sans vous mentir, pendant... Pendant 5 minutes, ça me l'a fait, je changeais de véhicule, je revenais dessus, ça me le refaisait, alors je comprenais pas qu'est-ce qui se passait en fait. Et après finalement, je me suis rendu compte que c'était tout simplement un bug, tout d'un coup, boum, c'était passé, c'était fini, je savais vraiment pas pourquoi ça s'était fait ça, mais bon, après c'est pas grave. Et j'ai également mon camion, c'est vraiment con que je peux pas filmer, mon camion, j'ai fait du 135 km/h avec mon camion, sans vous mentir, pendant au moins 5 minutes. Hein. Attendez voir, je vais juste faire un petit test les amis. Donc en fait, quand on épand du lisier, on voit vraiment pas si on en a mis sur l'herbe, quoi. Et ça, c'est vraiment un petit peu dommage. Ouais, donc en fait, si vous voulez, je pense que vous savez que le camion, quand vous roulez en ligne droite, il a vraiment tendance à se lever des fois. Hein. Et moi, c'est ça. Et en fait, il s'est levé, il faisait donc du deux roues. Et le compteur de kilomètre-heure, je vous assure, était à 135. J'étais à 135 km/h. Alors le bruit, il était infernal, hein, ça je vous l'assure. Et j'étais à 135 km/h, les amis, pendant au moins, je vous assure, pendant au moins 2-3 minutes. 5 minutes, c'est vrai, c'était un peu trop, mais 2-3 minutes, j'étais à 135 avec le camion. Pour final réussir à me foutre dans un mur, quoi, bref.
Donc c'est vrai qu'il y a vraiment des petits bugs à la con. Après, c'est ce que je disais, c'est vrai. Certains véhicules, on les entend démarrer, d'autres, on monte dedans, ils sont déjà en route. C'est un petit peu dommage, mais après, sinon, bon, ça change un petit peu, c'est sur console. Voilà, moi de temps en temps, j'aime bien y jouer quand même. Ça reste du farming, ça reste du très bon jeu pour moi. Malgré que sur Play 3, ils se sont quand même un petit peu foutus de notre gueule. Voilà. Après, de toute façon, ils ont sorti des super bons patchs sur PC, des super DLC. Alors, je me dis, sur console, ils sont pas cons, hein. Ils se doutent que c'était quelque chose d'un peu merdique qu'ils ont fait. Alors, moi, je suis convaincu qu'ils vont quand même nous sortir un bon petit DLC, des bons petits trucs quand même sympathiques, du moins pour les joueurs de Play 3, pour ceux qui ne peuvent pas jouer sur PC, hein. Et je l'espère vraiment pour eux parce que ça serait quand même dommage. Ça serait quand même dommage pour eux. Après, moi je m'en doutais un petit peu que le jeu allait être un petit peu. Je vais pas dire bâclé, mais allait être un petit peu comme ça parce que c'est vrai que vous voyez bien sur PC c'est différent quoi. Je veux dire, faire tenir tout ça sur un disque quand même, c'est quand même dur, je pense quoi. Que là sur PC le disque il nous sert juste à lancer le jeu et puis c'est fini quoi. Donc voilà, maintenant on a encore quoi? Oh le tonneau, je sais même pas s'il va suffire, il va vraiment pas me manquer grand chose les amis. C'est vraiment 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 dommage, je vais devoir revenir sur cette parcelle pour trois fois rien, à moins que je vais y arriver. On va voir ça tout de suite. C'est parti B, je sais vraiment pas si je vais y arriver. Parce que là j'ai en... Ouais je pense pas, je pense qu'à mon avis ça va être mort. Ça va être mort je pense. Bon après je peux toujours modifier la vitesse de mon tracteur. Hein. De pas grand chose. Je peux le faire aller à 15-16 à l'heure. Juste pour finir la parcelle. Hein. Donc voilà, sinon après c'est vrai que ça me changeait un petit peu, j'avais envie de jouer sur Play et voilà. C'était la petite parenthèse du jour. Donc les amis, j'ai vu qu'on était à 49 abonnés, épisode spécial à 50, mais c'est pas encore 50 les amis, donc à 50 il sortira. Et comme dit, j'espère qu'il vous plaira, parce que des petits épisodes comme ça, j'en ferai de temps en temps, je pense. Je me suis dit, pour que vous voyez un petit peu autre chose, hein, comme je l'ai peut-être déjà dit dans des vidéos, eh ben finalement je vais peut-être y arriver. Il veut pas me manquer grand-chose, je pense. Ouais, je sais, c'est parce que t'es un peu en descente. Ouais, finalement, je devrais peut-être y arriver quand même. Je devrais y arriver. Par contre, j'ai envie de dire, sur ce mode-là, il est extrêmement bien fait. Petit bémol, s'il y a des gens qui sont dans l'agriculture qui me regardent, je pense que vous avez tous épandu du lisier dans votre vie. Je pense que ceux qui ont épandu du lisier, vous êtes d'accord avec moi, votre tonneau à lisier restera jamais de cette couleur-là. Jamais aussi propre que ça. Même après un épandage de lisier, je peux vous garantir que si vous avez un peu de vent, votre tonneau, il est vite de couleur noire, de couleur lisier. Ça, je peux vous l'assurer. Et il suffit qu'il y ait du vent et que vous avez la chance de tout recevoir dans le tracteur, je peux vous garantir que le tracteur, il est aussi très joli après. Hein. Vraiment, hein, parce que moi, ça m'est une fois arrivé, j'épandais dans le sens du vent, j'épandais en contresens du vent, donc là, ça allait. Et quand j'ai pendu dans le sens du vent, donc je me tournais derrière pour regarder si le tonneau allait bien, et ben, je peux vous garantir qu'en 20 secondes, je voyais plus dans la vitre. Hein. Donc, j'arriverai quand même pas jusqu'au bout, les amis, donc c'est pas grave. Pour ce petit reste-là, je vais pas revenir. Hein. Je veux dire, maintenant, je vais aller remplir le tonneau de nouveau. Voilà. Donc on va désactiver le 4 roues. Voilà. Vue intérieure. Et c'est parti. Donc après c'est vrai qu'il y a des modes où ils devraient les faire lavables d'une manière ou d'une autre. Parce que c'est pas possible qu'ils restent propres. Ça c'est vrai. Je sais pas si vous avez des... Je pense que vous avez tous regardé la vidéo de Lux Farm sur Belgique Profonde V3 avec l'épandage de chaux. Vous avez pu voir que c'est quand même bien fait. Quand ils épandent à chaud, les tracteurs deviennent tout blancs. C'est vrai, hein, quand on dépend de la chaux, les tracteurs, ils sont vraiment très blancs, quoi. Donc c'est vraiment bien fait, quoi. Après, bon, c'est vrai qu'on peut pas non plus avoir le summum à chaque fois dans chaque mode, hein. Il faut quand même qu'il y ait des petits défauts, j'ai envie de dire, les amis.
Et puis là, effectivement, le petit défaut de celui-là, c'est qu'il n'est pas lavable. Mais bon, après, voilà, on s'en fout. Les fans de là sont très très bien faits, mais ils sont pas, je crois pas qu'ils sont lavables ceux-là, ou je me souviens peut-être plus. J'en ai plus, on ne se souvient plus. Donc lui, il est toujours en plein semis. Il est où cet idiot? Il est là-bas. Il était peut-être là en fait. Oh non, je sais pas où il est. Donc vous voyez, maintenant il roule mieux. Ça, c'est quand vous enlevez pas le 4 roues. Donc, par contre, tu as juste de voir quand on met la marche arrière, on voit la flèche à l'arrière, et quand on met en avant, on voit pas la flèche en avant. Donc, ouais, bon, c'est pas grave. Alors, maintenant, par pure curiosité, je vais descendre ce bordel. Voilà. Et maintenant, je vais juste me mettre l'aide, juste pour voir. 138 000 litres. Bon, ça va. On a encore de quoi épandre quand même, les amis, donc ça va. C'était juste ça, en fait. Je me demandais qu'est-ce qui me restait à épandre. Donc, on est à 26 minutes, hein, donc on va aller encore vider ce tonneau-là, hein, tranquillement. Donc, la masse, c'est une 870 kg. De toute façon, je crois que c'est même marqué. Ah ouais. Voilà. Allez, on est parti. Donc maintenant, on va aller faire l'autre parcelle de blé. Je pourrais faire celle de maïs tout de suite, hein. De toute façon, ça changerait rien. Donc allez, hop, c'est décidé, les amis. On va se faire celle-là. Là. J'ai décidé. C'est parti pour l'épandage. Et ben naturellement, je commence à épandre. Et celui-là qui se ramène. Par contre, là, la pierre et tout ça, je le sens pas trop. Oh, si ça va, il passe à travers. Donc, on va épandre, les amis. Donc moi, pour les bouts de champ comme ça, je vous conseille vraiment pas de vous embêter à faire des demi-tours. Vous voyez, vous le prenez largement. Hein. Là, c'est un petit conseil. Hein. Donc d'une manière ou d'une autre, que je fasse celle-là là d'abord ou l'autre, c'est pareil. Il faut de toute façon que je les fasse toutes. Il faut de toute façon que je fasse le maïs aussi. Donc ça revient strictement au même. Donc là, on va se faire un retour. Parce que c'est vrai, moi je fais comme l'ouvrier, hein, je perds pas de temps hein, dans mes déplacements. Je fais du 2 en 1, mais là, comme je suis pas parfaitement synchro, bah je fais ça comme ça. Voilà. Donc il y a déjà un petit peu calé de l'autre côté. Donc c'est vrai que c'est quand même des jolis tracteurs, les Fendt, hein, ça je dois l'avouer, ils ont quand même un beau look. C'est quand même bien et c'est quand même beau. Hein. Que ça soit dans le jeu ou en vrai, hein, c'est vraiment des beaux tracteurs, les Fendt. Ça, j'ai rien à dire. Par contre, le reste, je dirais pas plus. Mais c'est vrai que niveau beauté, niveau ligne, etc., c'est vraiment des super super beaux tracteurs. Alors là, je ne les critiquerai jamais de ce côté-là parce que c'est vrai qu'ils sont vraiment beaux. Après, de toute façon, les John Deere aussi sont des. De toute façon, toutes les nouvelles séries de tracteurs, ils ont des looks vachement agressifs, que ce soit même Massey Ferguson, tout ça, ils ont quand même des looks vachement agressifs. Donc ça leur va bien, je trouve. Donc voilà, là, on épand. On continue l'épandage. Donc là-dessus, il va y avoir deux tonneaux qui vont passer sans problème. Hein. Alors là, par contre, je sais pas si ça va tout prendre. Hein. Ça ne prendra pas tout, mais c'est pas grave. Pour le petit bout là, faut pas passer dessus. Hein. Dire pour ça, c'est pas la fin du monde. C'est vraiment pas la fin du monde, les amis. Vous voyez, même le John Deere, vous pouvez voir, il a une ligne agressive et tout ça. C'est vrai qu'il y a des très beaux Fendt dans le jeu, il y a des très beaux John Deere, mais il n'y a pas encore eu de très très beaux Massey Ferguson qui ont été bien modés, je trouve.
Donc ça serait bien que par exemple ACO System là qui a fait les Legendaire 7R, ils nous fassent une petite série de massés, ça pourrait être sympa. Par contre ferme ta porte, ça serait juste un petit conseil. Bon bah lui il a pris une douche. Je pense que lui il a pris une bonne douche. Donc voilà. On continue notre épandage. Continue notre épandage, il nous reste 40% du tonneau. Et puis voilà, quand on aura terminé, ben on arrêtera l'épisode hein, parce que on a déjà dépassé les 30 minutes tout le monde. Finalement, je fais quand même un bon paquet avec un tonneau mine de rien. Il me reste encore 30%, donc vous voyez, hein, on arrive quand même à faire pas mal. J'ai fait les contours de celle-là, là, j'ai fait sur l'autre, enfin j'ai vraiment fait pas mal de choses, j'ai envie de dire. Et encore, je prends pas vraiment sur toute la largeur quand je fais les contours comme ça, c'est vrai. Hein. C'est vrai qu'on arrive quand même bien loin. Là je vais faire comme ça et puis c'est fini. Donc je n'arriverai pas je pense à aller jusqu'au bout de l'autre parcelle. Enfin quoique ici il y a peut-être moyen, en fait il y a peut-être moyen que j'y arrive. Ouais, il y a moyen finalement que j'arrive. Donc vous pouvez voir que j'ai quand même fait pas mal. Donc c'est vraiment bien. Ce tonneau, il est vraiment bien. Il se vide pas trop vite. Il épand bien, il est bien fait. Donc c'est génial. En plus, là, j'ai déjà épandu. Donc on y arrivera sans aucun souci. Donc cet épisode sera un peu plus long de 2 minutes, les amis. Mais c'est pas grave. Moi, ça ne me dérange absolument pas. Ça m'a fait plaisir de pouvoir épandre avec notre petit Fend. Donc sur ce les amis, moi je vais vous laisser et je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode sur Belgique Profonde. Allez, ciao tout le monde.